budgeteuses et budgeteurs, bienvenue sur le budget de Natou. Comment ça va aujourd'hui? Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. D'ailleurs, je tenais à m'excuser, effectivement. Vous m'avez pas beaucoup vu ce mois-ci, j'ai perdu pas mal d'abonnés, j'en suis désolée. Pour ceux qui sont encore là, un énorme merci, hein, parce que je sais toujours qu'il y en a qui sont présents jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je me répète, effectivement, j'ai eu un petit coup de mou, j'ai eu moins envie de faire des vidéos budget. Je me suis consacrée un petit peu plus à ma famille. J'ai eu besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai eu des moments extrêmement difficiles avec ma maladie. Et je pense que c'est l'après-coup, tout simplement. L'envie revient, donc je recommence à créer, etc. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis en place pour l'année prochaine. J'ai trop hâte, franchement je suis assez contente au niveau de mes classeurs. Il va y avoir pas mal de changements pour l'année prochaine. Voilà, que dire de plus? Voilà, vous l'avez compris, c'est la vidéo du mois, celle qu'on attend toute, la vidéo où on remplit. Alors pour moi, pour ma part, le salaire n'a pas encore été fameux. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. Et donc du coup, on va un petit peu papoter, voilà, on va se retrouver un petit peu, je pense une petite demi-heure tous ensemble. Voilà, puis en plus ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix, mes petites mains, toutes dégueu, voilà. Je vous avoue que j'ai plus le temps de faire mes ongles, j'ai eu des changements d'horaire, donc c'est extrêmement compliqué d'avoir un rendez-vous. Je faisais que ça annulé avec ma prothésiste ongulaire et franchement c'est pas top pour elle parce que du coup elle perd... chaque fois, elle me change mes rendez-vous. Enfin, voilà quoi. Donc, c'était pas évident. Donc, j'ai décidé de ne pas refaire mes ongles. J'essaye d'en prendre le plus soin possible et de mettre du vernis quand j'en ai le temps. Voilà, là, je les ai enlevés pour le week-end. Là, à l'heure que je vous filme, on est dimanche. Dimanche quoi? Dimanche 3 novembre. Noël approche. J'ai hâte. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte. Qu'est-ce dire de plus? Voilà. J'ai fait une chose que j'avais dit que je ne ferais pas l'année dernière. J'ai clôturé mon défi des 52 semaines, hein, surprise. J'ai fait une vidéo sur ma page Insta pour montrer un petit peu ce que j'avais mis de côté. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai clôturé ce défi. Voilà. Et du coup, je voulais vous montrer, donc je me suis acheté, je ne sais pas si vous voyez bien, je vérifie, cette petite boîte qui est ici, que j'ai pris à Action, que je trouve super sympa. Donc d'ailleurs, ça peut être une idée pour vous aussi pour l'année 2025. Et j'ai commencé à mettre en place le défi des 52 semaines. Voilà. Je vous avoue que dimanche a été une journée de création pour moi. J'ai fait toutes mes enveloppes à la Cricut, donc vous pouvez voir, ça donne ça, et puis quand ça sera fermé, ça donnera ça. Voilà, bon, c'est pas fini, bien sûr, il manque les semaines dessus. Voilà, donc là il y a plein d'enveloppes différentes, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc en fonction de ce que j'ai envie, je regarderai. Celle-là je la trouve magnifique, donc je me suis fait ça. Donc là j'ai 52 enveloppes pour l'année prochaine. Bien sûr, j'ai encore des finitions à faire, mais bon, je trouvais l'idée super sympa. Ici, j'ai... Alors, celui-ci, il est en prépa encore. C'est mon défi Noël. Tout simplement, je mettrai dedans. Et dès qu'il sera clôturé, écoutez, voilà. Mais en tout cas, je mettrai dedans. Je pense que c'est un défi que je vais compter. Ça ne sera pas un défi surprise, que je vais quand même avoir besoin d'avoir un budget pour Noël. Il n'est pas fini, bien sûr. Mais je ne sais pas si vous voyez bien, ça donnera ça. Parce que mon enveloppe, là, est terminée pour décembre. Donc, voilà. Et puis, écoutez, j'ai trouvé des petites enveloppes bien sympathiques. Enfin, en fait, des créations que j'ai prises. Bon, ça, c'est du papier de Action, hein. Franchement, si ça vous tente, n'hésitez pas. Si vous avez envie, vous avez une Cricut, envie de savoir comment j'ai procédé, n'hésitez pas non plus. Je serais ravie de vous aider si besoin pour faire les petites enveloppes. Et là, on est sur mon défi des 12 mois. Voilà. Donc, j'ai décidé de prendre ces enveloppes-là. Je les trouvais assez fun, assez colorées.
Et donc voilà, donc mon défi des 12 mois sera comme ci, et celui-ci, ça sera un défi à gratis. Donc je vais mettre les sommes ici, et je mettrai mes petits patchs voilà, quand j'aurai le temps. En tout cas, j'ai 12 enveloppes. Donc là, on est sur mon défi des 12 mois. Il me restera la création de mon défi Saint-Valentin que je referai l'année prochaine, qui est ici. Donc je vais garder la même boîte, hein, qui ne fait plus de bruit. Mais bon, je m'y attendais un petit peu. Et je vais faire un peu dans le même système que les enveloppes que vous avez vues. Et voilà. Donc voilà ce que ça donnera. Un petit peu. Alors, on va aller directement sur la chose la plus importante, c'est mon défi des 52 semaines que j'ai clôturé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu des mois extrêmement difficiles. Alors ma démission, puis après bah, je me suis retrouvée un petit peu sans boulot. Mon problème de santé assez important avec des frais énormes. Et je commençais à ne plus pouvoir mettre de côté et ça devenait énormément frustrant pour moi. Et j'ai eu besoin de clôturer un défi, tout simplement pour voir que j'avais quand même économisé une belle somme dans l'année. C'était juste histoire de me rebooster, d'accord? Donc j'ai clôturé ce défi-là. Alors je m'étais dit que je mettrais 800 euros dedans, j'ai 725 euros. Donc du coup je vais essayer de mettre de finaliser un peu ce défi. Alors peut-être pas que j'irai à 800, mais peut-être que je vais clôturer à 750, voilà. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même 725 euros, donc c'est une belle somme. Alors sur celles qui m'ont suivi sur Insta, je n'avais pas autant de billets de 50, sauf que j'ai dû faire de la monnaie pour ce mois, donc du coup bah, tout simplement voilà. Donc 725 euros avec mon défi des 52 semaines, en sachant que j'ai également mon défi sur Plume, bah lui aussi, hein, que je n'ai pas pu faire jusqu'au bout, mais je crois que j'ai 600 euros dessus. Autant vous dire que c'est une très très belle économie, quoi. Enfin bon, on va pas se voiler la face avec les mois difficiles que j'ai pu avoir. Enfin, c'est magnifique, quoi. Donc mon défi des 52 semaines, il est ici et il sera à partir de l'année prochaine comme ça. Voilà, je fais différemment. Alors, ça sera toujours un défi surprise parce que je trouve ça quand même super sympa, le principe du défi où on ne regarde pas du tout sur l'année et puis on ne note pas. J'ai quand même une super surprise. Je pensais que j'avais pas plus de 500 euros. 725 euros pour moi, c'était énorme. On a quand même pas mal de projets. On doit changer de voiture. Et là, notre projet principal, c'est de refaire la salle de bain. Parce que quand on a acheté la maison, la salle de bain, elle est encore dans son jus. Donc, autant vous dire que c'est une somme. Donc, bon, voilà. Je suis assez ravie, assez contente de moi et de ce que j'ai pu entreprendre sur cette année qui était quand même compliquée pour moi. Voilà, j'ai beaucoup parlé, hein. Ça fait 7 minutes que je vous raconte ma vie. Qu'est-ce qui va se passer ce mois? Le mois de novembre. Alors, je suis allée aux courses vendredi, j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo de remplissage, donc vous allez voir que j'ai déjà une semaine qui est passée. Voilà. Pour ce qui est du coup de ce mois-ci, j'ai eu, au lieu de 1150, j'ai eu 1175, qui est très très peu au niveau des primes. J'en ai pas encore eu beaucoup ce mois-ci, mais j'ai fait remonter l'information au niveau de ma chef parce que je trouvais pas ça trop normal. Voilà, là c'est les crédits, donc vous n'allez pas les voir parce que j'ai ça passe sur un autre compte et j'avais déjà de l'argent dessus. J'ai décidé ce mois-ci de mettre 100 euros dans défi, 30 euros dans Noël, ce que j'avais pris un petit peu de sous qui n'était pas prévu, et remettre de l'argent dans économie. Donc au final 230 euros au lieu de 130. Et du coup, vu que j'ai pas les ongles, j'ai 300 euros de course. Moins 60 bien sûr, parce que j'ai déjà une semaine qui est passée. Samedi, on a été aux courses. Voilà. Ce qui est au niveau des charges fixes, bah, j'ai déjà David qui est passé. Je pense que la pension alimentaire de mes garçons ne devrait pas tarder à passer. J'ai un rendez-vous au tribunal au mois de décembre concernant ma pension, qui est par rapport à mes revenus beaucoup trop élevés. Je conçois qu'il faut que je participe au bien-être de mes garçons, mais dans mes possibilités, et là ça devient extrêmement difficile, et je donne que 150 euros à David qui gère le loyer, enfin le crédit de la maison, qui est de 575 euros, plus le DF qui est de plus de 200 euros, plus l'eau, plus l'assurance, enfin bref, en gros vous avez compris, c'est lui qui gère tout. Parce que je ne suis pas en possibilité en fait de donner plus.
Et encore aujourd'hui, ce mois-ci, j'aurais peut-être pu donner un petit peu plus, étant donné que voilà, mais j'ai également des projets et voilà. Donc pour le coup, en fait, on est d'accord là-dessus. Il a un salaire beaucoup plus élevé que moi. En plus de ça, il a eu une augmentation assez importante. Et il a des primes régulièrement. Pour vous dire, son salaire, il fait le double du mien, voire bien plus, quand on compte le 13e mois. Voilà. Donc finalement, il gère beaucoup mieux que moi. Même si j'arrive à mettre plus de sous de côté que lui. Mais moi, ma carte, je l'utilise très peu. Voilà les filles. Alors, du coup, on va y aller. Je vais arrêter de papoter parce que ça devient long. On va partir tout de suite sur le remplissage. Alors, du mois. Donc, on a. Hop. Ça, c'est pareil. Ça va bouger. Hein. Ça sera plus. Ça ne sera plus. Alors, je prends ça. Hop. Ça ne sera plus du coup ces enveloppes là, mes enveloppes du mois. Est-ce que je vous les ai déjà montrées? Je ne sais pas. Ça c'est pas ça, ça c'est mes échos. Mes enveloppes du mois sont ici. Voilà, donc ça sera mes enveloppes du mois qui sont comme ceci, un peu dans la transparence avec l'arrière. Tout empailleté, voilà, je me suis un petit peu amusée. Je kiffe mes enveloppes, j'ai même hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir les utiliser. Alors j'en ai encore fait beaucoup, sans être dans la certitude de pouvoir utiliser tout. Voilà. Mais bon, on verra parce que l'année prochaine, vous allez voir, il y a du nouveau qui va arriver et des économies qui pourront être mises en place toutes les semaines. Donc, je vais pouvoir reprendre mes vidéos et j'en ai envie également, hein, d'accord? Donc, c'est pas là, c'était juste parce que j'avais besoin aussi de faire une pause pour moi. J'ai besoin d'avoir envie en fait de faire des vidéos et de pas m'imposer en fait de le faire. Voilà, tout simplement. On va arrêter de papoter. Ce mois-ci, t'as un mois à 3 à 5 semaines. Donc là, j'ai déjà une semaine qui est partie, donc on a 4 semaines à mettre. Donc une, deux, trois, 60 euros, hein, comme d'habitude, première semaine, une, deux, trois, deuxième, une, deux, trois, troisième, une, deux, trois, quatrième. Voilà, donc hop, deux, hop, et on met le reste ici. Ça, je vais le mettre tout de suite dans mon portefeuille pour la semaine prochaine. Désolée, petite coupure, ma fille est venue, elle m'a fait super peur. Voilà, ça arrive. Alors du coup, je viens de mettre du coup les sous ici. Donc il n'y a pas bien sûr de 140 euros. Hein. Dans cette enveloppe, au moins, c'était 300. 300. Hop, j'ai une écriture dégueulasse. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Donc j'ai mis les 3 dernières semaines ici et j'ai mis les 60 euros ici. Voilà, donc ça, c'est les seules choses que je vais mettre ce mois-ci dans mon portefeuille. Voilà, j'avais dit, donc du coup, je mets ça de côté. Ça, c'est, je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Je vous ai fait tomber. Alors, je pense que vous allez voir un bout de vidéo. Enfin, ça va être chaotique. Je vais faire un montage comme je pourrai. Voilà, je ne suis pas une pro du montage, on va essayer de voir comment je vais procéder. Je n'ai pas l'intention de revenir en arrière, ça serait trop long à refaire. Alors, du coup, là, il me reste des sous. D'accord. Je vous mets juste en pause une seconde, il faut que je vérifie quelque chose sur mon budget. Bon, on est bon. Ouais, il n'y a pas de problème là-dessus, je vais pouvoir enchaîner sur les défis, du coup. Sur les défis. Alors, j'avais dit qu'il y aurait 20 euros. Donc je l'ai déjà gratté. Alors pas forcément comme j'aurais aimé, mais bon, c'est déjà gratté. Il y a 20 euros à mettre là-dedans pour le défi de la Saint-Valentin. Hop, on est bon. Ici, c'est fait. Alors, il va m'en rester deux. Donc c'est cool, décembre et janvier, donc j'ai déjà pas mal dedans. Donc si j'ai pas la possibilité de mettre, c'est pas grave, parce qu'au final j'ai déjà pas mal, et ça nous suffira pour notre Saint-Valentin. Enfin, en tout cas pour une partie de la Saint-Valentin, parce qu'on paye à deux.
Ici, j'ai déjà gratté également et j'avais dit, alors oui, j'ai un problème avec cette enveloppe, mais c'est un défi qui partira, vous l'avez compris, dans mon petit tiroir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, ici. Donc du coup, au final, ce n'est pas grave. J'ai dit 20 euros pour le mois de... Pourquoi décembre? Je me suis trompée. Je me suis trompée. Ou alors c'est que je voulais les finir. Je pense que ça doit être ça. Je pense que j'ai gratté les deux en me disant que je voulais finir. Il y aurait 20 euros là. Hop. Et 30 euros là. Voilà. Donc ce défi là, il est terminé. Je ne sais pas combien il y a dedans. On comptera ça ensemble la prochaine fois. Donc le défi des 12 mois est fini. Tac. Donc là, j'avais dit que je ferais. Saint-Valentin, c'est fait. Ce défi là, c'est fait. Je voulais clôturer. Alors, 800 moins 725, 75, 3, 4, 5, 6, 75, hop, et je vais retirer ces deux billets de 5 et mettre un billet de 10, et on va compter ensemble, mais normalement je devrais avoir 800 euros. Ouais, je pense que ça sera pas mal déjà. Ouais, ça va le faire. 100, 200, 300, 400, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 600. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 700, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 800 euros. Voilà, donc là, mon défi est fini. Voilà, je voulais vraiment arriver à 800 euros. Et voilà, en rajoutant, en fait, ce mois-ci, on y est. Donc, je note 800 euros et tout ça, ça va... Ou être éparpillé dans les dans mes... Pour l'année prochaine, en fait, dans mes catégories, je vais y arriver, pardon. Ou retourner à la banque. Ça fait quand même une grosse somme. Ça m'embête d'avoir ça à la maison. Donc, voilà. Donc là, c'est bien mis. On a les sous ici. Ça, c'est fini. Donc, j'avais dit que je voulais mettre dans Noël, qui est ici. Et je voulais 350. Et je crois que j'ai... 320, je crois que c'était 30 euros qui me manquaient. 100, 200, 300, 320. Il me manque 30 euros. 350. Voilà. Donc, Noël, 350 euros. En sachant que on a, il va avoir également des cartes cadeaux pour les filles. Donc, franchement, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, donc là 2, 3, 4, 5, 6, 70 euros. De base, j'aurais dû avoir plus. J'avais dit que je mettrais 100 euros, mais j'ai un peu éparpillé un peu partout. J'ai mis un petit peu plus que prévu ici. C'est pour ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, je fais que je vais aller ici. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Les défis des 5 euros, il n'y a plus rien. Il y avait 85, il n'y a plus rien. Je m'en suis servi. On est sorti manger au resto avec les filles. Je leur ai acheté des choses, des chaussures. Enfin, plein de choses. Donc, tout ça, je vais l'effacer. Et je remets les deux billets de 5 ici. D'accord. Également, j'ai un billet de 10 ici. J'aimerais bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets là? Ma cinquième semaine, je l'ai prévu. Non, je ne vais pas mettre là.
vous ai expliqué qu'on allait faire des travaux dans la maison et ça va être d'ici peu, je pense d'ici une semaine, 15 jours. Donc en fait, ce qui va me rester ici, je vais le mettre dans, je crois que c'est mon classeur prévision, travaux. Alors dans cantine, il ne me reste plus rien. Je vérifie. Il me reste 10 euros. Je vais rajouter 20. Il faut absolument que je mette dedans. Voilà. Parce que j'ai payé pas mal de factures ces derniers temps. Et que là, il faut absolument que j'ai un petit peu pour les factures à venir. Donc, je prévois le coût. Je mets 20 euros pour qu'on soit à 30 au moins. Pour le centre et la cantine. Voilà. Ça va falloir que je le refasse. Hein. Franchement, on ne voit plus rien. Donc j'ai 30 et là il me reste 40. Alors c'est pas énorme pour les travaux. Parce que finalement, on va avoir quand même plein de choses à payer. Mais je me dis que c'est toujours bon à avoir. Voilà, donc 40, ça va peut-être me permettre de m'acheter mon luminaire que j'ai trouvé pour mettre dans la salle de bain. Je vous ferai une photo. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse le avant-après. Parce que là, c'est vraiment pas un professionnel qui va le faire. C'est vraiment nous. Moi et monsieur. Alors après, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui touche à tout. Et qui est vachement manuel. Ça, on peut pas non plus... je peux pas l'oublier. Donc du coup, en fait, on va le faire ensemble. Et dites-moi si ça vous intéresse qu'on mette des photos du avant-après. Alors le avant, c'est... une salle de bain des années 80, donc vraiment dans un sale état. C'est ça qu'on est obligé de le faire rapidement parce que là tout part en lambeaux. Voilà. Et après, ben, on va partir en fait sur des tons assez chaleureux. Vous verrez bien, mais le carrelage du sol sera avec imitation bois. On va avoir une douche, on va mettre du travertin, du carrelage, voilà. On va mettre, enfin voilà, vous verrez, mais je pense que ça pourrait être sympa que je fasse une petite vidéo du avant-après, que je vous montre un petit peu comment on a pu fonctionner, comment on a pu mettre ça en place. Donc si ça peut vous intéresser, ben, n'hésitez pas. Voilà, mon classeur des défis, il est quand même pas mal plein. Je vous avoue que le défi des 52 semaines est terminé, donc on n'est plus à 725, mais à 800 euros. Hop. Le défi 2024 est terminé. Le défi des jours fériés est terminé. Défi des saisons, pas du tout, mais je me dis que 150, c'est déjà pas mal. Défi shopping, il n'y a plus rien dedans. Là, on a du coup 10 euros. 10 euros. Défi des copains, il n'y a plus rien. Défi des lunes, j'ai 170, c'est pas 169 dedans. Et pour être sincère avec vous, les défis des 1 euro, des 2 euros, tout est en tiers-lire et je ne compte plus. Je ferai ça à la fin de l'année. Je ne sais pas du tout où j'en suis, mais je pense que ça sera plutôt pas mal. Ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour ensemble. Ça donne bien quand même. Je ne sais pas à combien j'en suis, mais je pense que ça va être plutôt pas mal aussi ce défi-là. Je ferai le point. Je pense que je ferai le point fin novembre, début décembre avec vous sur mes défis. J'ai déjà commencé à préparer en fait mon budget pour 2025. Vous voyez, c'est ici. Et j'ai mis quand même pas mal de choses en place. Je sais ce que je veux, ce que je veux pas, la somme que je devrais avoir pour mes travaux, enfin pour mes travaux, pardon, pour mes classeurs. C'est une très grosse somme. Je ne pense pas que j'ai cette somme-là de côté. Mais voilà, donc pour le coup, on a déjà pas mal mis les choses, enfin j'ai déjà pas mal mis les choses en place. Également aussi pour ma semaine, je ferai le point avec vous la prochaine fois peut-être, ou au mois de décembre pour 2025, parce que j'ai commandé aussi à Novea, alors qui est sur Insta. C'est elle qui me fait mon budget planner cette année. Elle m'a fait du sur-mesure, de la création. Je devrais l'avoir vers le fin novembre, début décembre. Et je pourrai mettre ça en place et vous montrer un petit peu les changements. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Ah si, je voulais vous montrer, j'ai acheté ça à... Alors, j'en ai pris deux. J'ai acheté ça à Action.
Je pense que je vais m'en servir pour faire des créations de défis. Je ne sais pas encore, je me tâte, je réfléchis. Je vous montrerai ça quand ça sera fait. Voilà les filles. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie toutes et tous d'être encore présents sur ma chaîne malgré mon absence. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Mouah!